Bienvenue sur l'Équateur, bienvenue au Centre Spatial Guyanais. Nous allons vivre ensemble une nouvelle mission d'Arianespace pour le compte de l'ESA et de la Commission européenne dans moins de 19 minutes maintenant. Une Ariane 5 va décoller d'ici de Kourou avec sous sa coiffe 4 satellites du programme Galileo. Mais il est temps pour l'instant de retrouver la commentatrice de langue anglaise, Kitty Aswell. Hi Kitty, where are you? Hi Thierry. I am in mission control. Bonjour Thierry, je suis ici à Jupiter, le contrôle de mission, c'est un peu le centre névralgique du centre spatial. Et derrière moi, vous voyez ce qu'on appelle le bocal, c'est l'endroit où les équipes opérationnelles travaillent et se concentrent dans les derniers moments avant le lancement. Il reste un peu plus de 18 minutes avant le lancement et écoutons maintenant Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace, qui va nous parler de la mission de ce soir. So, dear minister, dear ISA DG, cher ministre, dear representatives of European nations, dear customers and partners, ladies and gentlemen, chers clients, chers représentants des pays européens, mesdames et messieurs, Arianespace est heureux de vous accueillir ici au CSG pour cette nouvelle mission Ariane 5, la sixième et dernière de l'année avec notre lanceur lourd. Dans quelques minutes, nous allons utiliser pour la deuxième fois notre Ariane 5 version ES pour lancer 4 satellites Galileo supplémentaires pour la Commission européenne dans le cadre d'un contrat signé avec l'Agence spatiale européenne. À partir de ce lancement, l'Agence européenne chargée de la navigation par satellite, GSA, sera responsable de la gestion opérationnelle des satellites en collaboration avec l'ESA. Les 4 satellites ont été fabriqués par OHB. Nous remercions la Commission, la GSA et l'ESA pour leur confiance. Comme vous pouvez le voir sur les écrans de contrôle derrière moi, Ariane 5 est sur le pad de tir. Le transfert a eu lieu hier. Toutes les opérations liées à la chronologie finale se sont déroulées sans encombre. Donc, nous devrions pouvoir lancer dans quelques minutes à exactement 15h36. Comme vous le savez, le décollage se produit 7 secondes après le H0 au moment de l'allumage des EAP. Ariane 5 se dirigera alors vers le nord-est avant de séparer les satellites deux par deux sur une orbite circulaire intermédiaire à une altitude de 22 922 km avec une inclinaison de 57 degrés par rapport au plan équatorial. Cette mission va être assez longue. Nous allons devoir être patients. Les deux premiers satellites Galileo seront séparés à H0 plus 3h35 et les deux autres satellites seront séparés à H0 plus 3h55, ce qui marquera la fin de cette mission. Le lancement est imminent. Allez Ariane 5, allez Galileo, allez l'Europe de l'espace et bien sûr profitez du spectacle. Merci. So, Galileo, Europe's very own satellite. Galileo, c'est le système de navigation par satellite européen. Une fois que la constellation sera au complet, il y aura 24 satellites et quelques satellites de remplacement. Et si tout se passe bien aujourd'hui, nous aurons 22 satellites en orbite. Le directeur général de l'Agence spatiale européenne, Yann Werner, va me rejoindre. Merci, Yann. Bonjour. Il y aura bientôt une constellation complète. Parlez-nous du chemin parcouru. Oui, c'est un long voyage, mais c'est aussi un projet extrêmement important. Donc, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Et nous l'avons fait à l'européenne, c'est-à-dire avec beaucoup de partenariats à l'intérieur de l'Europe, avec plusieurs sociétés, entreprises, et aussi avec des organisations comme la Commission, le GSA, l'ESA, l'industrie. Je pense qu'on l'a fait de façon très transparente et voilà, on a une réussite. Il s'agissait vraiment d'une coopération entre l'Union européenne et l'ESA. C'est vraiment un des programmes phares avec Copernicus qui nous permet de mieux comprendre notre planète. Quelle est l'importance de ces programmes pour les Européens? Je pense que ce type de programme, tel Galileo, Copernicus et il faut dire aussi EGNOS, je pense que ce sont des programmes qui nous donnent un point européen
dans l'espace, ce qui nous donne une certaine autonomie dans l'espace. Copernicus, c'est le premier système mondial, et Galileo, nous sommes le meilleur, même avant d'être complètement achevé. Donc pour l'Europe, il est essentiel d'avoir un point clair pour la navigation par satellite. Et si on regarde un petit peu l'avenir, et on voit déjà l'avenir qui se produit ici même au CSG avec la construction du bâtir pour Ariane 6, alors comment voyez-vous l'avenir ? Nous avons un avenir très prometteur et très large avec le développement d'une nouvelle famille, Vega C, Ariane 62, 64, une nouvelle génération qui coûtera beaucoup moins cher que les lanceurs existants. On deviendra plus compétitif dans le monde. Il y a aussi de nouveaux satellites Copernicus pour l'observation de la Terre. Il y a aussi des questions sur la prochaine génération pour Galileo. Et n'oubliez pas l'exploration, les télécoms et tous ces aspects-là. L'Europe, bon, cela couvre une gamme très large. Thank you. Merci. Nous sommes donc toujours au centre de contrôle. De nombreuses équipes travaillent dur actuellement. L'une de ces équipes est ce que nous appelons la cellule de vol que vous voyez à l'écran. Il s'agit des hauts responsables d'Ariane Espace. Ce sont eux qui prennent toutes les décisions finales, en particulier en cas d'imprévu. Ils se basent sur les informations qui sont envoyées par leurs équipes en temps réel, informations collectées dans toutes les installations du CSG. Thierry va maintenant nous parler du lanceur et de ses quatre passagers. Thierry, c'est à vous. Yes, Kelly, gros plan sur le lanceur et les passagers du soir. C'est une Ariane 5 en version ES, un peu plus de 47 mètres de haut, une masse au décollage de 760 tonnes. La poussée initiale sera assurée par les étages à poudre qui entourent le moteur Vulcain 2. La coiffe moyenne mesure 14 mètres de hauteur et elle protège, on le sait, 4 passagers ce soir. Chacun pèse 750 kg, donc vous multipliez par 4, vous ajoutez la masse du dispenseur, c'est-à-dire ce système qui les tient assemblés en étoile, et vous obtenez une performance demandée de 3 tonnes de 182 aujourd'hui. Il s'agit de la 7e mission FOC, Full Operational Capability, capacité opérationnelle complète. Je vous aurai tout dit quand il s'agit d'un vol ce soir avec nulle fenêtre de lancement, mais un décollage fixé en GMT à 18h36 minutes et 7 secondes pour être très précis. Je vous propose de découvrir un peu mieux l'endroit où nous nous trouvons actuellement. C'est à 9h de Paris et on a pris l'habitude de l'appeler la porte des étoiles de l'Europe. C'est donc Kourou. Quittons l'Europe, direction ouest-sud-ouest, à environ 7000 km, le continent sud-américain et puis au nord du Brésil, la Guyane, et ce point qui scintille, c'est Kourou. Sur l'embouchure du fleuve Kourou, justement, la pointe des roches et la célèbre tour Dreyfus. Kourou posé au bord de l'océan Atlantique, avec au loin les îles du Salut, et notamment l'île du Diable de sinistre mémoire, qui nous revoit au temps du bagne, bien entendu. Direction à présent le centre spatial où nous nous trouvons. Nous longeons la côte. Et nous allons survoler les petits lacs que l'on retrouve dans la ville comme autant de miroirs. Un peu moins de 10 km sur la route de l'espace. Et voici l'entrée du centre spatial guyanais qui se découvre, qui s'offre à vous. Et c'est sa fameuse maquette Ariane 5, échelle 1, qui vous accueille. C'est là, bien entendu, que l'on retrouve le musée de l'espace, qui est visité de nombreuses fois chaque année. Et puis, juste à côté de ce musée de l'espace, le centre Jupiter, où nous nous trouvons actuellement, ma chère Cathy, le centre Jupiter, dernier point de contrôle de tous les lancements ici en Guyane. Effectivement, Thierry, nous nous trouvons à l'intérieur du centre de contrôle Jupiter. Mais bien sûr, le lanceur et ses passagers sont sur le pas de tir. Il s'agit de l'un des trois pas de tir ici au CSG que l'on appelle ELA3.
Il y a énormément d'installations ici au CSG, car c'est une zone immense d'une superficie de 750 km², c'est à peu près la taille de la Martinique. Et donc vous imaginez qu'il est très complexe de transmettre les informations entre toutes les équipes et toutes les installations ici sur la base. Et c'est pour cela que nous utilisons ces panneaux que vous voyez à l'écran, les panneaux des verts, qui résument l'état de tous les systèmes de la base spatiale. Toutes les informations sont envoyées ici à Jupiter et sont résumées sur cet écran que vous voyez. Donc le lanceur, pas de tir, satellite et l'ensemble de lancement. Il faut que tout soit au vert pour que le lancement puisse avoir lieu. Parlons maintenant de la mission. La partie du vol, c'est la station sol de Galileo à Kourou qui suit les événements du lanceur. Puis nous utilisons la station navale Ariane ou SNA, positionnée dans l'océan Atlantique. La station de Santa Maria dans l'archipel des Açores. Et enfin, la station de Nunurtia sur la côte occidentale de l'Australie, qui suivra la fin de vol avec la deuxième bouche de l'EPS et la séparation des satellites. La première partie du vol est standard, avec la poussée des EAP, suivie après séparation par le vol de l'EPC. À la fin du vol EPC, après 10 minutes, nous aurons l'allumage du moteur de l'étage supérieur, l'EPS, pour une première poussée. Après une première extinction, nous aurons une longue phase balistique d'environ 3 heures, permettant d'atteindre l'altitude demandée par les satellites à 24 000 km. À l'issue de cette phase balistique, nous aurons un deuxième allumage du moteur de l'EPS, permettant pour les satellites de circulariser l'orbite. À la deuxième extinction, nous aurons la phase balistique finale au cours de laquelle nous séparerons les satellites. Sera séparée la première paire de satellites, la deuxième 20 minutes après. De ce dernier événement, on débutera une phase de passivation des réservoirs de l'EPS et la fin de la mission pour VA-240. La mission va être longue ce soir puisqu'elle va durer un peu plus de 4 heures. Quelques-uns des acteurs clés que vous voyez à l'écran, ici à Jupiter, donc le directeur de mission qui est chargé de la campagne de lancement, et puis une autre personne clé ce soir est la directrice des opérations. C'est elle qui annonce toutes les étapes importantes, les temps clés, et il s'agit ce soir de Fleur. À tous de VDO, attention pour la séquence finale lanceur. Elle va bientôt annoncer le début de la séquence synchronisée. Stop à 0-7 minutes. Voilà donc la séquence synchronisée qui est lancée. Les calculateurs au sol effectuent les dernières mises en œuvre électriques et mécaniques qui vont aboutir à l'autonomie du lanceur et des passagers, et ce, avant le décollage. Une séquence avec de nombreux rendez-vous et de nombreux paramètres qui sont vérifiés très rapidement. Donc, c'est une séquence entièrement automatisée. Je le disais, la campagne a débuté le 18 septembre dernier. C'était avec l'arrivée des tout premiers satellites. Ils étaient deux, ils sont arrivés deux par deux, ici en Guyane. Le 18 septembre, donc, pour le début de cette campagne, que l'on découvre, si vous le voulez bien, en compagnie de Raphaël Breda et de Thierry Villemard. Tout de suite, donc, la campagne. Campagne Ariane 5 VA-240, avec l'objectif de mettre sur orbite 4 satellites Galileo Foc M7. La campagne satellite a débuté il y a 3 mois, au mois de septembre, avec l'arrivée des deux premiers satellites. Les deux satellites suivants sont arrivés au mois d'octobre. Nous les avons transférés dans leur bâtiment de préparation où ça va. Les satellites ont été finalisés et vérifiés pour ensuite être transférés au bâtiment de remplissage, le S3B. Là-bas, les satellites ont été remplis et inspectés. Et puis, nous sommes rentrés dans la phase dite POC, où nous commençons à se faire rencontrer le monde des satellites et le monde du lanceur. La campagne lanceur, elle a démarré le 23 octobre. Les équipes d'Ariane Group, d'Ariane Espace, ça représente environ 300 personnes, ont travaillé dur pour tenir le planning. La revue d'aptitude au lancement nous a autorisé vendredi à réaliser les opérations finales et à transférer le lanceur en ZL lundi. Et donc désormais, ce sont les opérations de chronologie qui vont être déroulées pendant 48 heures. C'est ensuite la séquence synchronisée à partir de H0-7 minutes qui réalisera les toutes dernières opérations de façon automatique jusqu'au décollage. Et voici donc le J-1, dernier transfert.
Le lanceur et ses passagers, installés sur la table roulante, quittent le bâtiment d'assemblage final. Direction la zone de lancement. Les 1500 tonnes de l'ensemble mettront 1h10 pour parcourir la distance. Tout est maintenant prêt pour le décollage. Découvrons dans le détail les derniers instants de cette séquence synchronisée. À H-1 minute, il y aura la commutation électrique sur le bord. Le lanceur sera entièrement autonome. À H-4 secondes, toutes les commandes seront basculées sur les calculateurs de bord. Et c'est donc eux qui vont allumer le moteur Vulcain 2 à H0, le tester pendant 7 secondes et autoriser à ce moment l'allumage des EAP et donc le décollage. 760 tonnes vont s'arracher alors du sol guyanais pour ce sixième décollage d'une Ariane 5 depuis janvier dernier. Il s'agit du 11e et dernier lancement d'Ariane Espace pour cette année 2017. Tous les paramètres sont au vert, sont donc favorables. Si toutefois la chronologie venait à être arrêtée, le vol sera reporté au minimum de 24 heures car il n'est pas de fenêtre de lancement aujourd'hui et une nouvelle heure de lancement sera calculée pour correspondre aux données d'injection finale. Nous découvrons à présent le centre de lancement numéro 3. Ce centre se situe donc à 3 km de la zone de lancement. C'est un bâtiment blindé qui accueille 150 personnes environ au plus près du lanceur. Ses équipes opérationnelles font les dernières mises en œuvre. Elles sont coordonnées par le chef des opérations d'ensemble de lancement, le COEL, tâche assurée aujourd'hui par Raphaël Breda. Et pour cette mission VA-240, l'équipe autorité technique lanceur est-elle coordonnée par Laurent Jourdain, le CEPAP, comprenez, le chef de projet Ariane Production. On notera que c'est la deuxième fois qu'une Ariane 5 embarque 4 passagers pour Galileo. Elle l'a déjà fait en novembre 2016, mission VA-233, et elle le fera encore une nouvelle fois en juillet 2018. En moins de 2 ans, ainsi, la constellation sera passée de 14 à 26 satellites grâce à Ariane 5. Voilà donc toutes les équipes au travail dans le CDL3 des images des équipes de notre réalisateur, Manuel de Oliveira. Galileo relève des défis techniques, on l'a dit, on l'a compris également, des défis scientifiques, mais il convient de rappeler que ce programme est d'une importance politique totale pour l'Europe. Il permet de s'affranchir des dépendances actuelles. Le géopositionnement et la navigation assistée par satellite sont aujourd'hui dominés par GPS, États-Unis, et dans une moindre mesure, GLONASS, Russie. Galileo est au service premier des citoyens d'Europe. Cette aventure technologique et surtout humaine a débuté ici même à Kourou en 2011 avec la mise en orbite de IOV 1 et 2. Et c'était le tout premier vol d'un Soyouz depuis l'Équateur. Double réussite donc il y a maintenant quelques 6 années de cela. Le moment tant attendu approche, c'est la dernière minute qui va être annoncée. À tous de DDO, attention pour moins une minute. Top H0, moins une minute. C'est Fleur Lefebvre qui est la directrice des opérations ce soir. Saluons très rapidement les sites de l'ESA, du CNES, notamment Toulouse, le tout nouveau site GSA à Prague ainsi qu'à Bruxelles. Saluons également les industriels européens, ASL au Mureaux et à Brême, Necma à Vernon, HBO en Allemagne, à Brême également, Ariane Espace à Évry, sans oublier les internautes qui nous ont rejoints sur le arianespace.com et c'est le cas de la Bregatim. On fait silence, on apprécie ce décollage et on se retrouve tout de suite après. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des deux EAP et décollage Ariane 240 Galileo Falcon 7. Thank you.
La propulsion est nominale. Vous l'entendez, tout se passe bien pour ce vol. Un décollage majestueux, toujours aussi puissante cette Ariane 5. C'est toujours un grand moment que d'assister à un décollage ici, même si vous le voyez, le plafond est bas. La matinée a été exécrable, la météo a été exécrable avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie et finalement tout s'est calmé pour l'heure dite. Alors qu'on entend en ce moment même passer au-dessus de nos têtes, bien que nous soyons au cœur de la salle Jupiter, on entend passer cette Ariane 5. Juste avant le décollage, ça fait toujours grande impression de l'entendre passer. Les murs vibrent, les sons graves nous parviennent jusqu'au cœur de notre tous les paramètres à bord sont normaux. De notre habitat. Juste avant le décollage, je le disais, nous surveillons les verts. À présent, c'est la courbe à droite de votre écran qui attire toute votre attention. La courbe en vert, c'est tout bonnement celle qui a été calculée. Et le petit tracker qui se déplace, c'est bien entendu le lanceur et la propulsion ses passagers. Est nominale. Actuellement, l'altitude et la trajectoire du lanceur sont totalement passées sous contrôle des deux ordinateurs de bord installés dans la case à équipement sous la coiffe. Le lanceur et ses passagers ne sont jamais, bien entendu, jamais laissés seuls. Il y a toute une série de stations d'écoute qui les suivent. Pour Ariane 5, tout débute par la station Gallio à la montagne des Pères, ici à Kourou. Et puis il y a une station navale dans l'Atlantique. Viennent ensuite Santa Maria aux Açores et enfin la station australienne de New Norcia dans la région de Perth. La chasse aux poids superflu est ouverte. Ça va être le cas pour les EAP. Ils ont assuré 90% de la poussée au décollage. Leur durée de travail n'est que de 2 minutes 20. Et voilà donc que l'on s'en sépare. Deux EAP, la trajectoire est nominale. En moins, il reste moins de 200 tonnes en vol. Imaginez, 2 minutes 20 après le décollage, seulement un quart de la masse initiale est encore en vol. Un mot de cette séparation, ce sont des découpes pyrotechniques, bien sûr, et puis il y a des petites fusées d'éloignement. Et il faut surtout protéger, assurer la sécurité de l'étage principal qui reste en vol. Et les étages à poudre, tout de même, sont d'une longueur de près de 32 mètres. À l'issue de cette séparation, eh bien, nous avons une trajectoire qui, pour l'instant, a disparu de nos écrans. Tous les paramètres à bord sont normaux. Mais tous les paramètres à bord sont normaux, nous dit-on. Passé les 100 km d'altitude, l'équipement qui protégeait les passagers, eh bien, c'est la coiffe. Et eh bien, on va pouvoir s'en débarrasser. Cette coiffe a protégé les passagers pendant l'attente en zone de lancement, au décollage et pendant toute la durée du vol. Atmosphérique, il devient inutile et en l'absence de frottement, de bruit ou d'échauffement, eh bien le largage est attendu. Voilà donc, cette coiffe a été larguée, une coiffe version moyenne, 14 mètres, une production assurée par les Suisses de Ruag Space. Ruag Space a pour unique actionnaire la Confédération Suisse. Cette entreprise est étroitement liée au développement du spatial européen. Imaginez, sa première coiffe, elle remonte à juillet 68. C'était pour le compte du Centre européen des recherches spatiales, mais oui, et c'était pour ESRO. Cette collaboration ne s'est jamais démentie puisque Ruag Space a toujours accompagné les développements des versions successives d'Ariane. Pour Ariane 5 actuellement, elle propose, rappelons-le, trois tailles de coiffe différentes. Afin de réduire son poids, cette coiffe est fabriquée avec une technique dite de sandwich, une structure en nid d'aluminium, et le tout recouvert par deux peaux de carbone. Une fois larguée, cette coiffe a permis d'alléger le lanceur de tout de même 2 tonnes. Il est temps de retrouver Jean-Claude Chiarani et Thierry Fahem. Ils nous présentent les 4 charges utiles de cette mission VA-240. Pour ce 11e lancement de l'année, Ariane Espace est fier d'accueillir aujourd'hui la mission VA-240 Galileo FOCM-7 d'Ariane 5 qui va déployer 4 satellites Galileo supplémentaires pour le compte de notre client, l'Agence spatiale européenne, qui agit au nom de la Commission européenne. Aujourd'hui, Ariane Espace réaffirme le rôle de soutien important que joue l'entreprise en fournissant aux gouvernements et institutions européens un accès indépendant, fiable et disponible à l'espace. Ce lancement va mettre en orbite 4 nouveaux satellites de la série de 22 modèles fabriqués par OHB à Brême en Allemagne et équipés de charges utiles produites par SSTL en Grande-Bretagne. Avant les premiers lancements avec Ariane,
5 lancements ont été effectués avec le lanceur Soyouz depuis Kourou, chacun mettant en orbite 2 satellites. Pour ce lancement, une deuxième version d'Ariane 5 ES dédiée à la mission Galileo sera utilisée, avec notamment un étage supérieur différent appelé EPS. L'étage supérieur EPS à propergol stockable est propulsé par un moteur réallumable fonctionnant au propergol MMH et N2O4, ce qui permet de réaliser des réallumages essentiels aux performances exigées par la mission Galileo. La campagne de lancement a commencé du côté satellite mi-septembre, avec l'arrivée en Guyane de la première paire de satellites qui ont été soumis à une série d'essais de vérification. Ensuite, mi-octobre, la seconde paire de satellites est arrivée, elle aussi, pour la continuation des activités de préparation des satellites. Pour rappel, l'adaptateur spécifique, le dispenseur, a été conçu par Ariane Group pour permettre de transporter 4 satellites d'une masse maximale de 738 kg chacune, ce qui couvre avec une marge confortable les masses réelles des 4 satellites de cette mission. Cette campagne a demandé un surcroît de besoins de coordination des activités techniques qui ont été menées à bien grâce à une excellente préparation, planification et exécution, l'expérience acquise lors de la précédente campagne Ariane 5 et surtout grâce à l'efficacité des équipes techniques impliquées dans ces activités. Enfin, je voudrais remercier toutes les équipes qui ont participé, et tout d'abord l'équipe projet de notre client, l'Agence spatiale européenne, ainsi que les équipes du fabricant des satellites OHB et du CNES CSG, pour leur collaboration très efficace et leur travail d'équipe fructueux qui ont permis de gérer le programme et la campagne de lancement avec un grand professionnalisme. Donc, c'est la station navale d'Ariane Espace en plein océan Atlantique, au nord de la Guyane et à une latitude avoisinant celle des Antilles françaises qui a en charge actuellement le suivi du lanceur et des passagers. C'est l'étage principal cryotechnique qui assure la poussée actuellement. Il aura travaillé au total 8 minutes 54. Il reste donc moins d'une minute 30 de travail. Nous allons donc assister à son extinction et puis à la séparation. Nous aurons ceci dans une petite minute. Il reste une minute de propulsion de l'étage principal cryotechnique. Donc, cet étage principal cryotechnique est assemblé par ASL. Il utilise des ergols cryogéniques, à savoir l'oxygène liquide, 132 tonnes stocké à moins 180 degrés, et de l'hydrogène liquide, 26 tonnes, maintenu, elle, à moins 250 degrés. Le tout embarqué dans des réservoirs pressurisés. La poussée de 139 tonnes est délivrée par le moteur Vulcain de seconde génération, un moteur assemblé et testé par SNECMA, c'est à Vernon. Voilà donc l'extinction. Fin de propulsion de l'étage principal cryotechnique. La séparation, de l'EPC. Et dans la foulée, c'est l'allumage donc de l'EPS. Quelques données, à moins de 10 minutes de vol, Ariane 5 avant le décollage, c'était une hauteur de 47 mètres, quasiment l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile à Paris. À présent, le composite et ses passagers présentent une longueur inférieure à 18 mètres. Premier allumage de l'étage à propergol stockable. Avec le largage de l'EPC, il ne reste plus que 6 tonnes et demie en vol. Ariane 5 a perdu plus de 90% de sa masse initiale au décollage. C'est donc, vous l'avez entendu, l'étage à propergol stockable, l'EPS, qui a pris la suite. Ce dernier étage a la capacité d'être éteint puis rallumé à plusieurs reprises. Pour cette mission, ce sera fait 2 fois et entre les deux, il va connaître une phase balistique conséquente. Elle va durer un petit peu plus de 3 heures. Pour échapper à l'attraction terrestre, cela demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Il faut bien garder en tête que sur les 760 tonnes de départ, 90% sont constituées par des ergols solides ou liquides. Faisons un peu mieux connaissance à présent avec Galileo. On sait que c'est une constellation, que c'est pour le positionnement et la navigation assistée par satellite, mais qu'en est-il des passagers de ce soir? On fait connaissance avec Galileo 19, 20, 21 et 22. A symbolic image at the European Spaceport in Kourou, French Guiana.
As the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, French President Emmanuel Macron and the Director General of the European Space Agency, Johann Dietrich Vorner, stand in front of the Ariane 5 launcher, which will soon carry four more Galileo satellites into space. This launch will expand the Galileo constellation from 18 to 22 satellites. And it's the second time four satellites will be launched with an Ariane 5. As with all other Galileo satellites, these newest additions will fly in a medium Earth orbit some 22,000 kilometers above the surface. This is the penultimate launch before completion of the Galileo constellation. The completion of the constellation will take place in the summer of 2018, where we launched the last Ariane 5 with four satellites, which will bring the total up to 26 satellites. So we have at that moment two satellites in reserve, and we will then after that start putting some extra reserves in space in order to be prepared just in case. Although the constellation is not yet complete, it's been in operation for almost a year since the European Commission announced initial services on the 15th of December 2016. These services were the first step towards full operational capability and a first opportunity for the Galileo system to prove its worth. Independent measurements since have shown that in terms of performance, Galileo is the best operating positioning system in the world. We are having a better performance than our three competitors from the US, which is the well-known GPS system, the Russian GLONASS system, and the Chinese Baidu system. So of course in ESA we are excessively proud of this, and it is now important that we keep building on this performance and hopefully keep at the forefront of the developments. However, the work on Galileo is far from over. The European Commission and ESA are already working on the next generation of Galileo satellites and infrastructure. They aim to continuously improve the system and explore the boundaries of technological possibilities, while trying to meet market demand with potential new applications or services. A number of areas, for example, which are coming is the so-called Internet of Things, which will require positioning in sensors. And these sensors have very little power and very little battery capacity, so we need special signals for that, probably. And in addition, another area which is of interest is autonomous driving, where satellite navigation is going to be a very important component, but where it needs to be integrated with all sorts of other sensors in cars in order to make sure that autonomous driving becomes a reality. With more launches to complete the constellation and set up redundancies, Galileo's performance and availability worldwide will continue to gradually improve, keeping Galileo at the cutting edge of satellite positioning technology. Today, the only publicly owned satellite navigation system has also proven to be the best. Pendant que nous suivions ce reportage, eh bien, le lanceur et ses passagers étaient pris en charge par la station de Santa Maria aux Açores, à 1450 km à l'ouest du Portugal. La séquence de vol pour cette mission Galileo prévoit une phase propulsée de 10 minutes 53 avec cet étage supérieur OPS et le moteur Aestus, suivi de 3h07 de vol balistique sur une orbite elliptique. Et enfin, une seconde phase propulsée de 6 minutes 18 pour atteindre vitesse et altitude demandées, et ce, avant la toute première séparation. Il y en aura deux, je vous le rappelle, ce soir. Lors de la phase balistique, c'est le SCA, le système de contrôle d'attitude, qui est en action. Il est composé de deux blocs de trois propulseurs alimentés par 200 kg d'hydrazine, et il permet d'assurer l'ensemble des phases d'orientation avant et après la séparation des satellites grâce à de minuscules injections. Depuis peu, le programme Galileo dépend de la GSA, comprenez précisément la European GNSS Agency. Cette toute récente agence européenne a été installée à Prague et elle doit assurer la mise en œuvre d'une nouvelle génération de systèmes de navigation, de positionnement et de positionnement par satellite. Alors, ce que je vous propose justement, c'est de faire plus ample connaissance avec cette nouvelle structure qui va avoir à imaginer en plus de tout cela
l'avenir de Galileo et des prochaines versions qui, petit à petit, vont être mises en orbite autour de la Terre. Donc, cette European GNSS Agency, la GSA, eh bien, c'est maintenant, tout de suite. The mission of the European GNSS Agency is to ensure that users in Europe and around the world get the most out of Europe's satellite navigation programs. To do this, one of the agency's key responsibilities is to oversee the operation and service provision of Galileo. In addition to our headquarters in Prague, the GSA manages a number of important Galileo service facilities and functions across Europe. The GSA operations and service team works with a team of experts at several centers. The Galileo control centers monitor and control the constellation, working as mutual backups. The European GNSS Service Center operates the Galileo user help desk and supports users around the clock. The Galileo Reference Center provides independent monitoring of Galileo's performance and the quality of the signals in space. And the Galileo Integrated Logistics Support Center provides repair and spare part provisioning for the Galileo ground infrastructure. The GSA also ensures that Galileo signals are secure, including the Galileo Public Regulated Service, which is reserved for institutional users. We are also responsible for the Galileo Security Monitoring Center and ensure the functioning of the EU GNSS Security Accreditation Board. The agency also plays a key role in the development of applications and services, manages EU-funded research, and analyzes the global GNSS market. As a result of our work, today many devices are Galileo-enabled and are already making a difference to users across the globe. Donc, reprécisons les quatre services proposés par Galileo. Il y aura le service ouvert, c'est la version entièrement civile du GPS actuel, et c'est ce service qui est utilisé par tous les particuliers. Le service commercial, il y a là un abonnement versé à l'opérateur Galileo pour bénéficier de nombreux services à valeur ajoutée, comme une meilleure précision de la datation et des données de positionnement. C'est ces abonnements qui vont assurer le financement de Galileo. Le service public réglementé, ces utilisateurs-là ont une mission de service public. Ce sont des services d'urgence, de secours, des transports de matières dangereuses, donc très dépendants de la précision, de la qualité du signal et de la fiabilité de la transmission. Enfin, le service de recherche et de secours, très important, un service développé en lien étroit avec l'Organisation maritime internationale et l'Organisation de l'aviation civile internationale. Revenons à la mission du jour, on exploite complètement la capacité de cet étage supérieur, qui est à la fois, qui est plusieurs fois réallumable. Cette première phase va s'achever par une mise en orbite elliptique du composite supérieur avec une apogée d'un peu plus de 22 900 km. Une autre poussée, beaucoup plus courte cette fois-ci, permettra de circulariser le tout vers l'orbite finale de séparation à une vitesse tout de même de 3000 mètres seconde. Oui, donc cela fait 10 800 km/h. À l'issue de la séparation des passagers, la mission s'achèvera par la passivation de l'étage supérieur. C'est-à-dire que les réservoirs seront totalement vidés. Et ce qui reste du composite patientera de très longues années sur une orbite cimetière. Et la mission Ariane Espace sera officiellement achevée à ce moment-là. Et il sera à H plus 4h 41 minutes. La phase balistique va obliger à une manœuvre particulière de rotation du composite. Elle est placée en mode barbecue. Et l'objectif de cette rotation, c'est de ne pas exposer au soleil le même côté du composite pour éviter tout dégât. Logiquement, l'extinction est faite. Première extinction de l'étage à propergol stockable. Voilà qui est fait. L'EPS a achevé sa première poussée. Il sera sollicité peu avant, je le disais, le premier largage. La première partie de cette vidéo transmission touche pratiquement à sa fin. Passer très vite. La mission du jour est particulièrement longue.
Profitons donc du calme de la phase balistique que vous allez pouvoir suivre en compagnie, en notre compagnie en image. Moi, je vais rejoindre pour quelques secondes Cathy Haswell. Je vous propose, dans l'entre-deux, de revivre en image le décollage de ce vol Ariane 5 240. Rappelons-le, 56e mission Ariane Espace pour le compte de l'Agence spatiale européenne. C'était il y a pratiquement 21 minutes, ici même à Kourou. On revoit ces images des équipes de Manuel de Oliveira. La phase balistique et la manœuvre d'orientation se poursuit nominalement. Top. Allumage Vulcan. Allumage des deux EAP et décollage Ariane 240 Galileo Falcon 7. Vous l'entendez, tout se passe bien pour ce vol. Un décollage majestueux, toujours aussi puissante cette Ariane 5. C'est toujours un grand moment que d'assister. Voilà donc, avec l'extinction de l'EPS, on vous le disait, on rentre dans une phase balistique, Cathy, une phase qui va être longue, plus de 3 heures, et on se retrouve tout de suite après. Oui, absolument Thierry, nous allons... suddenly finding myself talking in French. We're going to be coming back to you just before we switch the engine back on again in about 3 hours' time. So that will be 7 o'clock here in C'est-à-dire à 19h, heure de Kourou, et 10h, temps universel. 23h pour Paris. Et à tout à l'heure. See you later. Soyez les bienvenus, heureux de vous retrouver en salle Jupiter ici à Kourou, où la nuit est tombée. Thierry Bouvard pour le commentaire français. Nous allons vivre ensemble la fin de la mission VA-240, 6e mission Ariane 5 de l'année, 11e mission Ariane Espace depuis janvier dernier. Il y a près de 3h30 de cela, décollage en Guyane d'une Ariane 5 ES avec pour la deuxième fois 4 satellites du programme Galileo sous la coiffe. La directrice des opérations ce soir, Flore Lefebvre. Nous allons revivre en images justement les moments forts de cette première partie de vidéotransmission, notamment le décollage. Et puis c'est avec grand plaisir que j'accueille à mes côtés Alexandre Ballereau de l'Agence spatiale européenne. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thierry. Alors quel est ton rôle dans le programme Galileo ? Alors je suis le responsable technique de la seconde génération du segment sol Galileo. Le segment sol, c'est la coordination des services ? Ou c'est plus que ça ? Le segment sol, c'est le cœur du système Galileo. Il me paraît difficile de résumer l'ensemble des tâches exécutées, mais on peut en identifier quelques-unes majeures. La maintenance de la constellation, la surveillance et le contrôle des satellites, avec un contact d'une heure avec chaque satellite toutes les 14 heures, la génération du temps système, qui est une des composantes essentielles des services, la génération des produits de positionnement et d'interopérabilité avec le système GPS, et leur transmission aux satellites afin de garantir leur actualisation de façon régulière. La préparation et la coordination à court, moyen et long terme des opérations. Alors, tu vas nous accompagner jusqu'à la fin de la mission du jour. On aura bien besoin de ton éclairage tout au long de cette bonne heure qu'il nous reste ensemble. Nous avons vécu donc ce décollage, différents largages, le suivi par les différentes stations au sol et bien entendu l'extinction de l'EPS qui, dans quelques minutes, va recommencer son travail pour sa deuxième phase. Nous sommes justement en attente de cette phase d'allumage, fin de la phase balistique. On le disait, l'étage ergol stockable, on le disait en première partie, c'est quand même ce qui fait la différence et c'est pour ça qu'on prend une Ariane 5 ES, c'est que cet étage, on peut l'éteindre et le rallumer autant de fois que l'on veut. Là aujourd'hui, il a été éteint une première fois, on va le rallumer puis l'éteindre une seconde. Il va y avoir là dans quelques secondes ce rallumage. Second allumage de l'étage à propergol stockable.
Voilà, donc il va travailler pendant 6 minutes 19, avant extinction complète, une poignée de secondes plus tard, ce sera le premier largage. On parle souvent, Alexandre, des services de Galileo, des lancements de satellites, mais avant tout cela, il y a des décisions, il y a eu des répartitions de responsabilités et d'actions. Effectivement, Galileo. La propulsion de l'EPS est nominale. La Commission européenne qui a la responsabilité du programme et donc définit la mission et qui s'assure de son financement. La GSA, European Genesis Agency, qui a la responsabilité de l'exploitation du système et la fourniture des services Galileo. Et enfin, du développement des applications liées à Galileo et EGNOS. Aussi, la GSA assure également la sécurité du système. Et enfin, l'Agence spatiale européenne, qui est l'autorité de conception du système et a la responsabilité de l'acquisition du segment spatial, c'est-à-dire les satellites, et le segment sol. Alors justement, on va se projeter encore plus dans l'avenir. Il porte une date, 2020, et un nom, Ariane 6, cet avenir. Je vous propose de découvrir ce projet qui est lancé depuis quelques mois maintenant, le tout en langue anglaise. July the 16th, 2020. This is the date currently set for the first launch of the new Ariane 6. For ESA and European industry, the clock is ticking, and 2.5 years appears like tomorrow when it comes to developing launches and building infrastructure. However, in the green Amazon jungle of Kourou, Ariane 6 is already a reality. The future launch pad is already well underway, and the infrastructure for Europe's newest launcher is taking shape. We have Ariane 6 for competitivity, Ariane 6 for cooperation, and Ariane 6 for growth. Here is a demonstration that European industries coming here to French Guiana, building with local industries the launch pad from where we will launch mid-July 2020, the first Ariane 6. The most impressive part of the Ariane 6 launch site is the giant hole for the launch pad, which is now finished. Also visible now are the flame deflectors that will be on each side of the hole. Construction has begun on the 90 meters high launch tower. This tower has to protect and shelter the rocket until a few hours before liftoff. Some 600 meters from the pad, the future Bâtiment d'Assemblage Lanceur, the launcher assembly building, is being built. This is where the different stages of Ariane 6 will be assembled horizontally. This is a new approach, as ESA's previous launches have always been assembled vertically. This change in method also reflects the changed role for ESA as regards Ariane 6. In the jungle of Kourou, the sound of cranes and bulldozers can be heard, as builders are now working from early morning until late in the evening in an effort to finish the launch site in time. Meanwhile, in Europe, the production of the launcher itself is due to start next year, with several tests of the new engines and boosters that have been developed for Ariane 6. However, Ariane 6 is not the only new launcher which ESA is building. There's also Vega C, the enhanced and more powerful version of the lightweight launcher Vega. Its first launch is planned for 2019. Despite the many challenges, the European Space Agency continues to go forward, securing its new launcher family with Ariane 6 and Vega C. Thanks to ESA and industry, Europe will remain a space power with a guaranteed access to space. Alexandre, en 2011, le premier Soyouz emportait à peine les deux premiers satellites Galileo nominale. Qu'il fallait déjà envisager d'augmenter les cadences de mise à poste. Et effectivement, dès 2012, il a été décidé de faire appel à Ariane 5 dans sa version ES, tout simplement parce qu'elle est équipée de l'étage à propergol stockable, l'EPS, étage qui peut être éteint et rallumé à de nombreuses reprises. Ça a impliqué que l'objectif final, qui était de 23 000 km d'altitude, jamais atteint par Ariane 5, eh bien, il a fallu alléger le lanceur. Il a fallu aussi lui donner une puissance suffisante pour des missions de, on le voit là, de près de 4 heures. Et enfin, créer un adaptateur qui emporte 4 satellites disposés en étoile et libérer, vous allez le voir, deux par deux. Tout a été réalisé et testé pour être opérationnel. Et ce, dès le 17 novembre 2016, c'était le vol Ariane 233. On va prendre la direction à présent d'un autre endroit qu'on peut qualifier de centre névralgique d'un lancement. Ça l'est à chaque fois. C'est le contrôle visuel immédiat, le CVI, Alexandre.
Il est situé à Galio, sur la montagne des Pères, ici à Kourou. Son rôle est d'analyser en temps réel les paramètres essentiels reçus du lanceur. Claude Legrand est responsable CVI aujourd'hui. Elle est assistée d'Alexis Macaire. À leur côté, des experts de l'industrie, du CNES et Arianespace, dans différentes spécialités. Alors, les données collectées lors du vol sont pour un quart exploitées immédiatement. Effectivement, mais les quelques 600 paramètres de vol vont être analysés dans le détail dans les deux semaines après le lancement. Cette analyse dite de niveau zéro. L'objectif du comité directeur qui la parachève est bien entendu de détecter d'éventuelles anomalies qui seraient à diagnostiquer complètement avant le lancement suivant. Toutes les données, vol après vol, constituent sans doute un bien précieux pour la communauté spatiale européenne et pour Arianespace. Il est important d'avoir toute cette mémoire des différents vols, et ce depuis de très très nombreuses années. Aujourd'hui, la constellation Galileo est passée de 18 à 22 satellites. Quel est l'impact de cette augmentation ? Alors, l'effet le plus visible est une amélioration de la disponibilité des services Galileo. Avec 4 satellites supplémentaires, n'importe quel utilisateur verra au moins un satellite 100% du temps, ce qui est le minimum pour permettre la dissémination continue du temps. Et en moyenne, les utilisateurs pourront estimer leur position avec une précision horizontale de 4 mètres ou mieux, au moins 80% du temps. Plus de satellites permet aussi d'améliorer la robustesse du système. Alors, on va être avec, en juillet prochain, 4 satellites supplémentaires à 26. La constellation sera achevée ? Presque, Thierry. Si une constellation de 24 satellites permet de fournir la précision attendue, 4 mètres et 8 mètres en verticale, ce n'est pas encore suffisant pour garantir sa disponibilité théorique sur le long terme, qui devra être de 99,5%. En effet, les satellites sont soumis à des phases d'indisponibilité prévues ou des pannes, et donc une redondance avec 6 satellites est nécessaire. L'extinction vient d'avoir lieu, la deuxième extinction de l'EPS. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est une séparation stabilisée, 3 axes. Les séparations vont s'effectuer par paire, je le disais. Satellite 19 et 21, puis satellite 20 et 22, 20 minutes vont passer entre les deux largages. Pour comprendre bien Alexandre Galileo, il faut ne pas oublier qu'il y a eu des périodes où on a associé les jeunes Européens, et même les très jeunes, puisqu'il s'agissait des élèves des écoles primaires de toute l'Europe, on les a associés à ce programme. Effectivement, ils ont pu participer à un grand concours de dessin et les lauréats représentaient chacun leur pays et ont donné leur prénom aux satellites. C'est ainsi qu'aujourd'hui sont en vol satellite 19, Nicole, Autriche, satellite 20, Sofia, Pologne, satellite 21, Alexandre, Portugal. Bravo Alexandre. Bravo Alexandre. Satellite 22, Irina, Roumanie. Alors, nous sommes actuellement dans l'attente de la première séparation, si je puis dire. Ce sera celle de Nicole et d'Alexandre, satellite 19 et 21. Cela devrait intervenir d'ici une poignée de secondes maintenant. Moins de 15 secondes. Tout le monde est très concentré ici en Jupiter. C'est un moment important. Séparation des satellites Galileo 19 et 21. Voilà la séparation qui est annoncée par la directrice des opérations. Que se passe-t-il justement une fois qu'on sépare ? Alors cette séparation permet d'engager le démarrage de l'ordinateur de bord satellite et la séquence automatique initiale, c'est-à-dire entre guillemets le réveil successif des équipements permettant la communication avec le sol, télémétrie télécommande, la stabilisation en attitude du satellite, le déploiement des panneaux solaires et puis l'orientation vers le soleil afin de recharger les batteries. Très important de recharger les batteries. L'orbite demandée aujourd'hui est légèrement en dessous de l'orbite finale, tout simplement une mesure de prudence. Ah, je sais, vous savez déjà tout. L'objectif est en effet est d'être 300 km en dessous de l'orbite finale. Cela permet de laisser le deuxième étage du lanceur sur une orbite cimetière pendant qu'on met à poste les satellites. La mise à poste est une opération délicate, il ne faut pas percuter les satellites déjà sur le plan A. Nous avons aussi besoin de maintenir une constellation uniforme. Il y a donc des critères sévères concernant le positionnement de chaque satellite sur le plan. La position et la vitesse, plus précisément le demi-grand axe pour les ingénieurs, du satellite doit être ajusté avec soin afin d'assurer que tous les satellites aient exactement la même période de révolution et de limiter les corrections pour le garder dans sa boîte pendant toute sa durée de vie. Alors justement, on va découvrir d'un petit peu plus près Galileo. On va voir comment tout cela fonctionne. Il y a un certain nombre de services qui sont proposés. On l'a dit, c'est une alternative indépendante à GPS et à GLONASS. Eh bien justement, de quoi il retourne ? On va le savoir tout de suite. Galileo, comment ça marche ? Les satellites Galileo sont en orbite à plus de 23 000 km d'altitude.
Mais le système de navigation par satellite européen est plus proche que vous ne le pensez. Les derniers modèles des principaux fabricants mondiaux de téléphones mobiles ont intégré Galileo afin de rendre la localisation par satellite plus précise et fiable. La localisation par satellite est essentielle pour des milliers d'applications, telles que la navigation, le partage des trajets, les informations localisées, les jeux sur Internet et même les services d'urgence. Galileo fait réellement la différence dans les environnements où les signaux des satellites de navigation peuvent être bloqués par des obstacles. Ces dernières années, l'agence du GNSS européen, la GSA, a travaillé en étroite collaboration avec les fabricants de puces de localisation et de téléphones afin d'assurer une intégration de Galileo. Non seulement Galileo permet d'améliorer le positionnement, mais il est également au cœur de l'innovation mobile. Dans le futur, utiliser des téléphones avec composants bifréquence Galileo permettra une précision accrue grâce à une meilleure résistance aux multitrajets. Le monde du téléphone mobile est en constante évolution et le système européen de navigation par satellite Galileo est prêt à relever le défi. Bien qu'invisible pour la plupart d'entre nous, Galileo est déjà très près, dans nos poches. Vérifiez sur le site web www.usegalileo.com si votre GSM utilise déjà Galileo. Et pour tout ça, il y aura 80 personnes du CNES et de l'ESA qui vont travailler 24 heures sur 24 pendant une quinzaine de jours dans les prochains jours afin d'assurer les différentes opérations de mise à poste. Et les satellites seront ensuite confiés au centre de contrôle. Après l'orientation automatique des satellites vers le Soleil, il faut commencer les activités initiales critiques. C'est ce qu'on appelle le LEOP, d'une durée de 13 jours et effectué par paire. Quatre grandes étapes à retenir. Passage du mode acquisition Soleil au mode nominal, avec une orientation vers la Terre. Vérification du statut nominal des équipements de la plateforme. Début des manœuvres de positionnement. Passage de main du CNES vers le centre de contrôle Galileo à Oberpfaffenhofen. Alors, entre la fin du LEOP et la mise en service du satellite, il y a du temps et surtout beaucoup d'action. Effectivement, le centre de contrôle Galileo va devoir finaliser les manœuvres de positionnement après une phase de dérive d'une durée entre 1 ou 2 mois, amenant les satellites sur leur place finale. Pendant ce temps, auront lieu les activités de vérification en profondeur des équipements de la plateforme. On est déjà fin février. Puis vient l'activation graduelle pendant plusieurs semaines de la charge utile. Cette durée est nécessaire pour une meilleure dissipation thermique et le contrôle des effets du dégazage qui pourrait endommager le satellite ou être la source d'arc électrique. La phase très importante de test de la charge utile, c'est-à-dire les premières caractérisations du signal, peut alors vraiment commencer, suivie des tests système pour la génération des produits mission. Il y a du boulot qui attend donc les équipes. Parmi les partenaires du projet, bien entendu, l'Agence spatiale française, le CNES. Alors retrouvons Jean-Yves Le Gall. Eh bien, ce lancement va mettre une fois de plus à l'honneur la politique spatiale européenne. D'abord, ça sera un lancement d'Ariane 5. Et Ariane 5 est aujourd'hui, bien sûr, le cheval de bataille de l'Europe spatiale. Et un lancement d'Ariane 5 qui va mettre en orbite 4 satellites Galileo. Et Galileo, bien sûr, c'est l'un des projets les plus emblématiques de l'Europe spatiale, un projet de géolocalisation. Nous avons déjà mis 18 satellites Galileo en orbite, 4 de plus, ça fera 22, donc Galileo, c'est une affaire qui marche. Nous avons décidé l'année dernière, le 15 décembre, de déclarer ouverts les services initiaux de Galileo parce que maintenant, si vous avez un smartphone, un iPhone 8 ou un Samsung 8, vous pouvez avoir une localisation grâce à Galileo. Et par rapport au GPS que tout le monde connaît, avec le GPS, vous savez dans quelle rue vous êtes. Avec Galileo, vous savez du quel côté de la rue vous êtes. Et ça, c'est fondamental pour tout ce qu'on appelle l'Internet des objets, le véhicule connecté, le véhicule autonome. Donc, il y a une multitude d'applications qui sont en train de se mettre en place. J'étais il y a quelques jours à la première réunion des utilisateurs de Galileo qui a eu lieu à Madrid. On voit qu'on change de paradigme. La problématique, c'est bien sûr de fabriquer les satellites et de les lancer, ce que nous sommes en train de faire. Mais la problématique qui s'annonce, c'est se servir de Galileo et de faire de Galileo le système de géolocalisation que le monde entier attend. Le CNES en fait est à l'origine de Galileo et de son signal Unicommande. Et d'ailleurs, l'un de nos collaborateurs, Roland Lestarki, a été récemment honoré puisqu'il a eu le prix de l'inventeur européen de l'année. C'était au mois de juin, d'ailleurs peu de temps après, le président de la République l'a félicité sur le pavillon du CNES au Salon du Bourget. Et ce signal Galileo, il est absolument remarquable parce qu'il est beaucoup plus précis que le signal de système équivalent. Et puis, il a aussi une caractéristique remarquable, c'est
qu'il permet la datation des événements avec une précision de milliardième de seconde. Et donc le signal Galileo, il est made in CNES, c'est un succès de plus à l'origine duquel le CNES peut s'enorgueillir d'être. Alexandre, on parle beaucoup d'Ariane 6 depuis tout à l'heure. Ce nouveau lanceur, est-ce qu'il va être plus adapté à cette mission et à ce programme Galileo ? Oui, le moteur de l'étage cryogénique supérieur aura une capacité d'allumage multiple qui sera parfaite pour la maintenance de la constellation. Les générations futures de satellites Galileo pourront être lancées par paire ou par quadruplet grâce aux différentes versions du lanceur. Cependant, en cas de retard, un tir avec Soyouz pourra être encore envisagé. Il faut signaler que le contrat pour deux paires a été signé entre l'ESA et Arianespace pour des Ariane 6 dès 2020. Ariane 6 qui sera épaulé par deux autres lanceurs, toujours l'emport moyen Soyouz qui a réussi, on peut le dire, sa tropicalisation, et l'emport léger Vega, le lanceur développé par nos amis italiens et qui va connaître des améliorations. On l'a entendu dans le film tout à l'heure avec une troisième version. Trois lanceurs depuis ce qui est très certainement le meilleur site au monde par sa situation légèrement au-dessus de l'équateur, c'est-à-dire le CSG, ici à Kourou. Alexandre, nous parlions de la mise en service après multiples vérifications. Tu as une idée des dates, justement ? Oui, à peu près. Cela donne pour le satellite 19 et 21, opérationnel mi-juin 2018, et satellite 20 et 22, mi-juillet. Ah, donc oui, on sera effectivement... là, logiquement, les quatre suivants seront en train de prendre l'air, si je puis dire, puisqu'il y aura logiquement mi-juillet lancement de nouveaux quatre satellites. Pour être complet, voici le détail des services initiaux de Galileo et ce qui en fait naturellement sa force. Il y a un an, les services initiaux Galileo ont été lancés et le système de navigation par satellite européen est passé du stade de test à un stade opérationnel avec des services disponibles à travers le monde. Les services initiaux ne constituent que la première étape vers le plein potentiel de Galileo, accessible quand la constellation complète sera en orbite d'ici 2020. Toutefois, Galileo offre déjà plus de précision et de fiabilité pour la localisation ainsi qu'une horloge extrêmement précise. Aujourd'hui, déjà 40% des modèles de receveurs GNSS ainsi que les téléphones mobiles des plus grands fabricants utilisent Galileo. Pour nos livraisons, la précision de la navigation sur nos téléphones est primordiale. Nos livraisons se font essentiellement en ville et nous roulons souvent dans des rues étroites, près de grands immeubles de bureaux. Auparavant, le positionnement était souvent imprécis, mais maintenant ça fonctionne parfaitement. Ce qui nous permet d'économiser du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Les satellites Galileo constituent une vraie valeur ajoutée pour les géomètres. Galileo fait réellement la différence dans les villes et les forêts. Ici, en Estonie, ce système est très important puisque les forêts couvrent plus de la moitié du pays. Les signaux de Galileo sont plus stables, même à angle réduit. C'est donc particulièrement bienvenu dans les régions septentrionales de l'Europe. J'utilise généralement mon téléphone pour naviguer en ville. Il y a peu de temps encore, mon téléphone ne fonctionnait pas très bien près des grands immeubles de centre-ville. J'ai constaté une nette amélioration avec mon nouveau téléphone. Et j'ai compris que c'était grâce au système européen de navigation par satellite. Grâce aux services de recherche et de sauvetage de Galileo, les services d'urgence peuvent localiser un signal de détresse plus rapidement et plus efficacement. C'est quelque chose d'incroyable, que c'est une petite balise qui tient dans la main, puisse être repéré mondialement. La balise, ça reste la panacée puisqu'on est positionné et reçu mondialement. Avec les services initiaux, l'aventure Galileo ne fait que commencer. Au fur et à mesure du lancement des satellites, de nouveaux services seront disponibles. Galileo fournira une meilleure couverture, un positionnement plus précis et sera encore plus efficace pour les utilisateurs. Galileo est un programme de l'Union européenne. L'agence du GNSS européen est responsable de la fourniture et de l'exploitation des services de Galileo. Elle associe l'espace aux besoins des utilisateurs.
Alors Alexandre, ça fait plus de 10 ans maintenant que tu travailles sur le projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'as-tu fait? Alors, je travaille au sein de l'équipe de Martin Allreiser, qui est le responsable technique du segment Sol Mission. J'ai principalement fait le suivi de la chaîne de traitement Sol des données mission. Concrètement et pour faire simple, cela concerne la génération et la dissémination du message de navigation que les utilisateurs utilisent pour connaître la position et le temps bord des satellites. Et s'il y avait un événement plus important que les autres que tu voudrais souligner, ce serait lequel? Alors la concrétisation la plus symbolique et la plus forte de tous ces efforts a eu lieu il y a 6 ans. Et c'est une date qui est et qui restera dans les annales du projet Galileo. Effectivement, le 20 septembre 2012, à 18h temps GST, l'Europe a produit son premier message de navigation à Fucino à partir de mesures collectées en temps réel par le réseau mondial de stations Sol, avec uniquement 2 satellites IOVI. Même si cela a été suivi par une première réalisation de positionnement avec Galileo en mars 2013, le premier message de navigation reste une étape extraordinaire et majeure pour les équipes qui ont travaillé sur le segment Sol Mission. C'était un grand soulagement pour les équipes que ce premier message. Un message porteur de beaucoup d'espoir, on le comprend. Un détour par Brême à présent, en Allemagne donc. Nous allons nous rendre chez OHB System. OHB System qui est le constructeur des satellites. Il est associé à ce projet. Et depuis le début, on découvre ce constructeur. Voilà donc pour OHB, 2 minutes 30 de rêve. L'amélioration du service Galileo est continue, on le disait Alexandre. Est-ce que cela vient tout simplement du passage de la constellation de 4 à 18 satellites? Alors, le déploiement de satellites supplémentaires joue un rôle évident. Mais la performance du service est aussi le résultat de 2 campagnes d'optimisation des algorithmes de génération du message de navigation. En 2013-2014, en utilisant 4 satellites et 9 stations Sol, puis en 2016-2017 avec 11 satellites et 15 stations Sol. Et la performance du message de navigation est passée de 4 mètres à 60 cm. Quelle est la performance justement finale attendue?
Alors, il faut savoir que la performance finale du système est basée sur une hypothèse de précision du message de navigation de 130 cm. On est donc déjà bien au-delà et on a donc dès à présent des performances exceptionnelles qui font de Galileo le système le plus précis vis-à-vis des autres systèmes GNSS. Il est remarquable que des algorithmes conçus il y a presque 10 ans n'ont presque pas été modifiés et que ces améliorations de précision ont été réalisées en jouant uniquement sur des paramètres de configuration. Cela a montré que les choix de conception faits il y a bien longtemps ont été les bons. Exactement. On évoquait tout à l'heure les 22 satellites bientôt à l'œuvre, au travail. Mais la question que tout le monde se pose est très simple. Nos récepteurs, est-ce qu'ils sont prêts? Nos smartphones, nos tablettes numériques, nos navigateurs dans nos voitures? Alors, la mise en service va être totalement transparente. Cela dépend des puces qui équipent tous ces matériels. Et de ce côté, les nouvelles sont excellentes. En 2010, les trois principaux fabricants avaient décidé d'intégrer les fonctionnalités Galileo. Aujourd'hui, ce sont 17 fabricants, soit 95% du marché global. C'est donc une bascule tout en douceur que l'on va connaître en tant qu'utilisateur dont je suis comme vous tous. Nous allons avoir logiquement une séparation de la deuxième paire. Elle est prévue, rappelons-le, à H plus 3 heures, 55 minutes et 46 secondes. Il va y avoir la séparation des satellites 20 et 22. Il y aura là 22 satellites de la constellation. Cette mission FOC numéro 7 du genre sera quasiment achevée. On voit là le pupitre de l'ESA. Les gens sont concentrés, mais on sent quand même que bon, la mission se déroule plutôt bien. Les paramètres ont l'air d'être satisfaisants. Il n'y a pas eu de joie tout à l'heure pour les deux premiers largages, parce qu'on attend toujours que tous les largages soient faits pour manifester sa satisfaction. On le disait, satellite 20 et 22, on redonne leurs prénoms. Alors, pour le satellite 20, c'est Sofia pour la Pologne, et satellite 22, Irina pour la Roumanie. Profitons-en, on va parler un petit peu de cette altitude demandée pour le largage. C'est 22 925 km, la vitesse demandée 10 800 km/h. 3 km seconde. Et on rappelle que le largage s'effectue sur une orbite placée de 300 km en dessous de l'orbite finale. Les passagers vont donc puiser dans leurs ressources pour rejoindre leur position de travail. Et ils vont rester à poste un petit peu plus de 12 ans. Ce qui va rester du lanceur va être vidé de ses ergols, c'est ce qu'on appelle la passivation, et placé sur une orbite cimetière. Il sera alors 4h40 après le décollage, et ce sera la fin de la mission officielle d'Ariane Espace. 30 petites secondes, même pas, pour ce deuxième largage. Nous allons écouter Fleur Lefebvre, qui est, je vous le rappelle, la directrice des opérations ce soir, ici en salle Jupiter. Fin de la manœuvre d'orientation. Séparation des deux satellites Galileo numéro 20 et 22. Voilà, donc là, cette fois-ci, il y a les applaudissements. Tant c'était retenu pour les deux premiers, alors là on peut y aller. Toujours très émouvant, parce que c'est quand même, il faut pas oublier que ce sont des mois, voire des années d'investissement personnel pour toutes les équipes, des heures et des heures de travail. Et là, il y a quand même une tension qui se joue dans un lancement qui se libère au moment du largage. On parlait tout à l'heure justement de l'avenir du lanceur européen Ariane 6, mais est-ce que Galileo, on est déjà dans l'avenir, on parle déjà de son avenir et de son futur développement? Alors, aujourd'hui, la priorité pour l'ESA est le déploiement du système complet pour 2020. Et vraiment, la majorité des ressources du projet sont donc focalisées sur cet objectif. Mais l'ESA, sous la responsabilité de Miguel Mantega, travaille aussi sur le futur du système en tant qu'autorité de conception du système et responsable de l'acquisition de l'infrastructure.
Le cadre programmatique a d'abord été le European GNSS Evolution Programme, qui était un programme optionnel de l'ESA. Et c'est maintenant le programme cadre Horizon 2020 de la Commission européenne, pour lequel l'ESA a une délégation des activités de R&D concernant la navigation par satellite. Rappelons que l'ESA exerce un mandat de l'Union européenne ce soir. Arianespace est bien entendu aux côtés de l'agence. Et il faut préciser que la Commission est le premier client institutionnel d'Arianespace et il s'agit aujourd'hui de la 56e mission Arianespace ESA pour le compte de la Commission européenne. Coopération dans les projets Copernicus et Galileo, mais d'autres viennent. Pour n'en citer qu'un, BepiColombo. Cette mission d'exploration de la planète Mercure doit être lancée en octobre 2018. Elle est développée par l'Agence spatiale européenne, conjointement avec l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise. On revit ce décollage, c'était il y a plus de 3 heures, pratiquement 4 heures maintenant, depuis Kourou. Montage réalisé à partir des images des équipes du réalisateur Manuel de Oliveira. On salue toutes les équipes qui sont à l'œuvre, comme à chaque fois. Dommage que le plafond était bas aujourd'hui, mais c'est toujours aussi impressionnant. Et puis ça, elle étincelle, comme nous disions tout à l'heure, hors antenne. Ah, c'est superbe. On ne s'en lasse pas de voir ce décollage. Juste avant 16h, heure de Guyane, 15h36, décollage donc de cette Ariane 5 ES avec 4 satellites. Pour le programme Galileo. Suivre un petit peu plus longtemps quand même cet après-midi, mais la météo n'était pas favorable, pas très clémente aujourd'hui ni hier d'ailleurs. La prochaine génération, la suite, comment ça va se passer? Alors, après plusieurs années de travail de l'ESA en amont, la Commission européenne a défini en 2017 3 scénarios d'évolution de la mission Galileo, chacun avec une demande croissante en termes de performance et de service, pour un horizon de temps à 2030, avec 3 objectifs stratégiques: indépendance, robustesse et compétitivité. Il y a du travail. Ces objectifs se sont traduits en plusieurs points couvrant, évidemment, le réapprovisionnement de la constellation afin d'assurer le maintien des services existants, l'amélioration de la performance des services actuels, la fourniture de nouveaux services, l'authentification, ou le support à des services externes, par exemple pour l'aviation civile. Une plus grande flexibilité du design afin de permettre de déployer plus rapidement des évolutions et une réduction des coûts opérationnels et d'acquisition. Cette vision du futur de la mission Galileo par la Commission européenne a permis à l'ESA de définir plusieurs scénarios d'évolution du système répondant aux besoins exprimés, qui ont été agréés avec la Commission européenne et les États membres lors de la revue des besoins préliminaires du système en mars 2017. Mais alors justement, quelles sont les étapes suivantes? Parce que je suppose que travailler sur plusieurs scénarios va résulter d'une combinaison aléatoire des évolutions possibles, de la définition des segments sol et spatial, qui va devenir bien trop complexe au bout d'un moment. Il faut bien prendre une décision. Alors, pour l'instant, l'ESA commence en janvier 2018 et pour une durée de 1 an et demi, la consolidation des objectifs mission et débutera la conception préliminaire du système et des segments sol et spatial en couvrant tous les scénarios envisagés. C'est ce qu'on appelle la phase B0-B1. Les résultats de ces études permettront de fournir au programme les éléments pour décider quel scénario retenir pour la suite des études, qui sera couverte par la phase dite B2 et se conclura par la revue préliminaire de conception au niveau système et des segments. Cela sera le point de départ pour le développement de la seconde génération du système opérationnel. Afin de garantir un environnement compétitif, chaque étude sera effectuée par 2 ou 3 consortiums en parallèle en fonction du sujet. C'est l'occasion de revoir les choix de conception du segment sol qui avait été fait il y a 15 ans. Exact. Et ces choix avaient été contraints par le service d'intégrité que devait fournir Galileo, c'est-à-dire la capacité du système d'identifier une corruption du message de navigation pouvant impacter le calcul de position de l'utilisateur et le prévenir en quelques secondes. Et effectivement, le segment sol actuel est contraint par un service qui n'existe plus et qui repose sur des technologies logicielles et matérielles obsolètes. D'autres options sont maintenant possibles. Évidemment, cela ne veut pas dire que nous allons redévelopper le segment sol de zéro, et il y aura évidemment une réutilisation massive de l'existant, mais dans une architecture physique et logicielle permettant plus de flexibilité. Effectivement, il y a
Comme je le disais, c'est un projet absolument passionnant qui n'arrête pas d'évoluer comme ça. C'est, pour les ingénieurs que vous êtes, ça doit être du pain béni quasiment tous les jours. Quelle est la séquence, puisqu'elle se déroule automatiquement maintenant, quelles sont les actions qui se déroulent pour nos amis qui viennent d'être largués là maintenant ? Alors, la séquence opérationnelle est définie par rapport à au temps de séparation. Donc, à partir de 4 minutes et 8 secondes jusqu'à 50 minutes et 23 secondes, on a le début du déploiement des panneaux solaires de chaque satellite. À 22 minutes 6 secondes jusqu'à 1h 13 minutes 25 secondes, début d'orientation vers le Soleil. Puis 25 minutes 6 secondes, 1h 16 minutes 21 secondes, fin de la séquence automatique des opérations satellites. On a atteint ce qu'on appelle le bracing point. 1h25, première restitution des paramètres orbitaux par le centre de l'EOP. Alors, on est bien d'accord, ce sont des fourchettes de temps. Ça peut intervenir dans ces fourchettes, ça peut intervenir très rapidement si on le souhaite. On parlait du LEOP tout à l'heure, c'est le centre de contrôle de Toulouse qui supervise cette opération. LEOP pour Launch and Early Orbit Phase, littéralement lancement et phase d'orbite précoce. Nous devrions justement découvrir par le menu ce que c'est que ce LEOP en faisant un petit tour du côté du centre de contrôle de Toulouse. Cela vient, cela arrive. Eh bien, vous allez en savoir plus. Au moment de la séparation, chaque satellite est automatiquement allumé et commence une série d'opérations de façon autonome sous la commande de l'ordinateur de bord. Tout d'abord, la mise en service du système de télécommande et télémesure qui permet la communication avec les stations sol. Puis, la stabilisation de l'attitude du satellite, suivie du déploiement des panneaux de générateurs solaires, et enfin, le pointage du satellite vers le Soleil de façon à assurer la recharge des batteries du satellite. Cette séquence est étroitement suivie et contrôlée par le centre de contrôle Galileo du CNES à Toulouse et à travers un réseau de stations sol. À la suite de cette séquence initiale, les satellites seront soumis à une série de tests et de vérifications pour confirmer le bon état de fonctionnement des équipements de la plateforme. Puis, dans environ 6 jours, les satellites seront lentement déplacés vers leur position finale grâce à leur système de propulsion. Après environ 3 à 4 semaines, les charges utiles de la première paire de satellites seront activées, alors que pour la deuxième paire, cela sera fait une semaine plus tard. Une fois ces activations réalisées, les tests en orbite pourront commencer et pendant plusieurs semaines, ces essais permettront la caractérisation de la performance de la charge utile de navigation et de la charge utile Search and Rescue. Dans la deuxième partie du mois de mai 2018, les satellites FM15 et FM17 seront prêts pour être déclarés opérationnels, suivis début juillet par les satellites FM16 et FM18. Et avec l'entrée en service de ces 4 nouveaux satellites, la performance et la disponibilité de la constellation Galileo seront un peu plus améliorées et étendues à toute la Terre. Voilà donc le LEOP par le menu. On l'aura compris, il y a du travail pour la mise en service de ces deux paires de satellites. Ce que je vous propose, c'est qu'on va marquer une toute petite pause. On attend un certain nombre, pour être très précis, un certain nombre de confirmations qui doivent venir du réseau d'écoute de l'Agence spatiale européenne. Tant qu'on n'a pas ces confirmations, eh bien, on ne peut pas avancer quoi que ce soit. Donc, on va découvrir, si vous voulez bien, notre environnement immédiat, à savoir la Guyane, et on se retrouve dans une poignée de minutes. Thank you.
Passivation des réservoirs MMH de l'EPS. Nous voici de nouveau en salle Jupiter. Nous devrions avoir un certain nombre de confirmations. Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est annoncé est nominal. Pour dire un mot du lanceur, sa passivation est en cours, elle doit même être, vu l'heure, quasiment achevée. Voilà que Stéphanie Israël s'approche du pupitre. So, ladies and gentlemen, short status point. Mesdames et messieurs, donc les quatre satellites ont été placés sur l'orbite visée. Nous avons acquis les signaux pour les quatre satellites. Nous avons reçu la confirmation du déploiement des panneaux solaires pour les deux premiers. Tous les paramètres sont parfaits. Nous attendons quelques minutes encore pour recevoir les mêmes informations pour les deux autres satellites et je reviendrai dans quelques minutes vers vous. Mais je crois que tout devrait très bien se passer. Satisfaction qui se lisait sur le visage de Stéphane Israël. Donc, bon, la première paire, ça y est, c'est lancé. Deux de plus, oui. Effectivement, nous ne nous emballons pas. Il en reste encore deux. L'attente est toujours très longue dans ces moments-là. Thank you.
Les passivations des réservoirs MMH et NDO4 de l'EPS se poursuivent nominalement.
Voilà, après ce survol de la Guyane et de ses splendides paysages, retour ici. Vous découvrez l'entrée du Centre spatial guyanais, juste à côté du Centre Jupiter où nous nous trouvons. Alors, les dernières nouvelles concernant le lanceur. La passivation est toujours en cours. Il s'agit donc de vider complètement les réservoirs et avant de l'installer sur une orbite cimetière. Pour ce qui est des passagers du soir, on le rappelle, des satellites pour le programme Galileo au nombre de 4. On a eu des nouvelles très satisfaisantes de la première paire larguée, à savoir le satellite 19 Nicole pour l'Autriche et le satellite 21 Alexandre pour le Portugal. Et là, Alexandre, l'autre, celui qui a été à mes côtés, on attend des nouvelles du satellite 20 Sofia, Pologne, et du satellite 22 Irina, Roumanie. On précise pour les personnes qui nous suivent, qu'est-ce qu'on attend précisément comme type de signaux de la part des satellites dans ces moments-là ? Principalement qu'on a accroché le satellite, c'est-à-dire qu'on est capable de lui parler et on reçoit les premières télémétries qui sont envoyées automatiquement au sol. Donc effectivement, ce qui semble, c'est que le contact n'a pas été encore fait. C'est en cours. Alors il y a un moment qui est très important, c'est celui de l'ouverture des panneaux solaires. On n'a pas tellement insisté sur la chose, mais c'est totalement vital pour le satellite. C'est extrêmement vital, mais c'est une séquence automatique, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'un contact avec le sol. 15 mètres, hein, 14 mètres d'envergure, hein, les panneaux solaires, pour ces parallépipèdes qui font 1,10 m par 1,20 m sur un peu plus de 2,50 m de hauteur. Et on le rappelle, 750 kg de masse. Ce sont ces beaux bébés qui ont été mis sur orbite par Ariane 5. On voit là les équipes qui discutent entre elles, très détendues, Thierry Villemar, mais également Thierry Fahem, juste derrière le pupitre tout en bleu de l'agence spatiale. Il faut les dernières confirmations concernant les deux derniers satellites. Il faut savoir être patient, Alexandre. C'est les moments qui doivent bien user. C'est extrêmement stressant. Vaut mieux en rire, mais c'est nerveux, on va dire. C'est bon. Voilà. Le soulagement. Oui. Le sourire de Jean-Claude fait plaisir à voir. Ah oui, oui. Donc voilà. Eh bien, écoutez, normalement, logiquement, on pourrait interpréter ce sourire comme une validation. On va quand même attendre les prises de parole. Oui, on voit
des félicitations qui s'engagent. Il faut tenir hein, plus de 4 heures dans ce bocal, rester concentré, tout vérifier, voir défiler tous les paramètres, et puis veiller à ce que tout bien se déroule pour le mieux. Mais il y a un moment, tout est rentré dans les calculateurs de bord, ça part. Et on assiste. Non, un lancement est extrêmement stressant. C'est des années de travail en aval, oui. Des années de travail en amont à venir, mais tout dépend de ces quelques heures. Exactement. Pour certaines missions, même des missions très lourdes d'exploration spatiale, il y a des gens qui ont passé mais plus de la moitié de leur carrière sur la mission, et pour eux c'est une soirée comme une autre pareille. Ça peut se comprendre. Je crois aussi que c'est une très bonne nouvelle pour la GSA, puisque je rappelle que sur ce lancement, la GSA devient l'unique responsable des satellites. Exactement. Dès leur séparation, et donc la charge des phases LEOP et IoT. D'ailleurs, je profite de cette intervention pour saluer mes amis et collègues de Prague. Bien sûr. Et pour leur souhaiter toute la réussite qu'ils méritent dans leur nouvelle responsabilité. Il y aura comme ça plusieurs sites de la GSA qui vont suivre la constellation. Non, la constellation est entièrement gérée à partir des deux centres de contrôle, donc Fucino et Oberpfaffenhofen, qui sont en redondance chaude, c'est-à-dire que si jamais il y avait une catastrophe, on peut passer de l'un à l'autre dans une durée très courte. Mais après, la GSA a plusieurs sites. On a le Monitoring Center qui est à Nordvik. On a le Service Center qui est en Espagne. Et donc le Headquarter à Prague. Et bien voilà, une agence qui commence tambour battant, si on peut dire. Bon, ça serait bien qu'ils nous disent quelque chose. Ce serait bien. Alors, logiquement, avoir les sourires, logiquement... 22 satellites constituent maintenant la constellation Galiléo. Et sourire dans le bocal. Les gens passent de pupitre en pupitre. Voilà. Là, wow. Voilà. Et de 22. Ah, ils peuvent effectivement tomber dans les bras les uns des autres. So, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, Ariane Espace est très heureux de confirmer que les 4 satellites Galileo ont été placés sur l'orbite circulaire intermédiaire prévue. Le pointage des antennes sol Galileo vers les charges utiles est nominal, ainsi que le déploiement des panneaux solaires. Nicole, Sophia, Alexandre et Irina, j'espère que j'ai bien prononcé, sont les 19e à 22e satellites Galileo mis sur orbite par Ariane Espace. Ils vont très prochainement rejoindre leurs camarades dans la constellation afin de renforcer les services Galileo. Pour la deuxième fois, l'utilisation d'une Ariane 5 version ES a permis de lancer 4 satellites Galileo en une fois, et cela nous permet de maintenir le rythme des 2 dernières années afin de déployer la constellation. Je voudrais remercier le vice-président Maros Sefcovic et la commission
commissaire Bien Kovchka, ainsi que le DG adjoint Pierre Delceau et Mathias Petschke qui sont avec nous ce soir. Et j'ai reçu de bonnes nouvelles de leur part et je voudrais les remercier pour leur confiance en Arianespace. Je voudrais également remercier l'Agence spatiale européenne, notre partenaire de longue date, responsable du segment sol, du segment spatial Galileo et notre client direct pour ce lancement. J'aimerais également remercier Yann Werner, qui n'a malheureusement pas pu rester avec nous puisqu'il a dû retourner à Paris pour une À tous de DDO, fin de la chronologie VA 240 Galileo. Nous remercions également Paul Verhoeff qui est ici ce soir, ainsi que Daniel Neuenschwander, qui est responsable des lanceurs à l'ESA. En 2018, il y aura encore un lancement Ariane 5 ES pour continuer notre mission, suivi en 2020-2021 par deux Ariane 62, ce qui conduira à avoir 30 satellites Galileo en orbite et une constellation pleinement opérationnelle. En étant les premiers clients à choisir Ariane 6, la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne ont donné un signal fort en montrant qu'ils faisaient confiance à la prochaine génération des lanceurs d'Ariane Espace, qui réaffirme plus que jamais sa mission de garantir un accès autonome de l'Europe à l'espace. Je voulais également remercier l'Agence européenne du GNSS, la GSA, qui, à partir d'aujourd'hui, est responsable des opérations des satellites. Et je voudrais remercier Carlo De Dorides, le directeur exécutif de la GSA, de sa présence ce soir ici à Jupiter. Je remercie également OHB, partenaire fidèle d'Ariane Espace, qui est également actionnaire. Et je voulais donc remercier OHB de sa confiance et de ce nouveau succès de ces satellites Galileo. Nous avons 9 satellites OHB supplémentaires dans notre carnet de commandes. Wolfgang Page est avec nous ce soir et nous remercions OHB pour leur partenariat. Nous sommes également très heureux d'accueillir une délégation très nombreuse des États membres de l'ESA. Nous avons des représentants de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suède et de l'Estonie et de la France qui sont ici ce soir avec nous. Et cela montre la force de l'équipe spatiale européenne. Je voudrais remercier François Bellot, ministre belge des Transports, qui est ici ce soir. Et je voudrais également souligner la présence de Wolfgang Scheremet du ministère de l'économie et de l'énergie et qui représente ce soir la ministre Brigitte Tsipras qui voulait être avec nous ce soir mais qui malheureusement n'a pas pu venir. Et donc c'est Wolfgang Scheremet qui est venu ce soir. Et c'est important car ce lancement est extrêmement allemand. En effet, Aestus a fait un excellent travail ce soir et il est produit en Allemagne ainsi que les satellites OHB. Donc l'Allemagne est vraiment un partenaire clé de tous nos succès. Mesdames et messieurs, ce 11e succès en 2017 et le 6e avec Ariane et le 82e succès d'affilée pour notre lanceur lourd. C'est également le dernier lancement de l'année à partir du CSG grâce aux prouesses de notre famille de véhicules, 6 Ariane 5, 2 Soyuz et 3 Vega. Notre performance pour 2017 est encore une fois exceptionnelle. Il y a de très nombreux partenaires qui ont contribué à ce succès, tout d'abord l'ESA et tous les États membres du programme Ariane qui nous soutiennent. Il y a également Ariane Group, le Prime d'Ariane 5 et premier actionnaire. Our partner for this success. Et we have notre partenaire pour ce succès de ce soir, également le CNES, autorité de qualification pour Ariane 5, et notre partenaire au quotidien ici au CSG, et également nos sous-traitants en Guyane, ainsi que tous les employés du CSG. Et bien sûr, je voudrais terminer en remerciant tous mes collègues d'Ariane Espace pour
ce travail exceptionnel au cours de cette année. Et tous nos succès sont des succès collectifs qui sont permis grâce au travail de nos équipes à ArianeSpace. Je souhaite maintenant la bienvenue à nos clients et nos partenaires. Merci. Thank you very much. Good evening. It's actually a very good evening. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est vraiment une très bonne soirée. J'aimerais remercier tous ceux qui ont coopéré à ce projet et qui ont permis ce succès. J'aimerais remercier ArianeSpace, ESA, GSA, OHB. J'aimerais également remercier surtout mes collègues de la Commission. Je ne sais pas si vous avez compris d'après les présentations faites aujourd'hui, mais Galileo est un programme de la Commission européenne. Et beaucoup de mes collègues ont consacré des années à ce projet. Ils ne sont pas en avant de la scène, mais sans eux, nous n'aurions jamais eu cette réussite. Donc je vous demande de les applaudir. And actually, it's quite interesting. En fait, c'est assez intéressant à noter que les États membres de l'Union européenne ont décidé de consacrer une partie de leur budget à un programme tel que Galileo. Soyons clairs, nous n'avons pas tant de projets qui réussissent au niveau européen où les 28 pays membres travaillent ensemble pour faire quelque chose qui va faire une différence. Et si je regarde les raisons derrière cette décision prise par les États membres, je vois deux choses. Tout d'abord, travailler seul n'est pas possible pour un projet tel que Galileo. S'il n'y a pas de coopération entre tous les États membres, Galileo n'aurait jamais pu exister. Un pays membre tout seul n'aurait jamais pu le faire sans coopérer avec les autres. Donc on n'avait pas de choix. C'était soit travailler ensemble, soit ne jamais avoir Galileo. Et puis il y a une deuxième raison de son succès, et qui explique pourquoi le projet a été adopté au niveau de l'Union. En fait, aujourd'hui, nous n'avons pas lancé 4 satellites. Nous avons fait autre chose. Nous avons lancé des services, une fourniture de services. Donc je suis désolé pour OHB, pour les ingénieurs sur les satellites, mais en fait, pourquoi est-ce que nous avons besoin de ces satellites? C'est parce que nous savons et nous croyons qu'à l'avenir, la géolocalisation sera essentielle pour bon nombre de services à travers le monde entier. C'est déjà le cas, mais cela deviendra encore plus vrai à l'avenir. Et si nous souhaitons, en tant qu'Européens, de rester à l'avant, de permettre à notre industrie de rester compétitive, nous devons proposer des services de qualité. Bon, cela vous paraît peut-être évident de lancer 4 satellites à la fois. Ce n'est pas si simple que ça. Nous l'avons fait l'année dernière, nous le faisons aujourd'hui, et je pense que d'ici quelques mois, nous allons le faire encore une fois. Mais au moins, cela reste quelque chose de compliqué. J'aimerais remercier tous ceux qui ont fait l'effort qui nous a permis d'avoir de proposer un service qui n'existera nulle part ailleurs. Il y a toujours tendance à comparer Galileo avec GPS. On dit que Galileo, c'est le GPS européen. Je parie que d'ici quelques années, on va dire que GPS, c'est le Galileo américain. Encore une fois, merci et félicitations à tout le monde et bonne fête à tout le monde et bonne année avec les 4 satellites suivants. So, Minister, member of the Parliament, dear colleagues, ministre, membre du Parlement, chers collègues, chers fans de Galileo partout dans le monde. Share with you what does it mean for more satellites for the Galileo constellation. 4 nouveaux satellites de la constellation Galileo pour la GSA. It means the remaining 4 satellites for the baseline. Tout d'abord, cela veut dire que ces 4 satellites dont nous avons besoin pour pouvoir annoncer les services dans environ 1 an. Donc ça veut dire concrètement qu'il y a une meilleure disponibilité. Vous avez vu que hier, sur nos animations, qu'il y avait des trous de non-couverture. Eh bien, ces trous vont disparaître et la précision va donc être améliorée. Mais cela va être encore plus que cela.
Cela va également permettre à Galileo de déployer certaines caractéristiques spécifiques qui n'existent pas dans les autres systèmes. Et en particulier, l'authentification des signaux ouverts, c'est-à-dire quelque chose qui permettra de savoir que les données sont réellement fiables. Il y aura également un lien direct pour les missions de sauvetage. Et les équipes de sauvetage sauront que l'équipe de sauvetage est partie, ce qui permettra de sauver des vies. Of the service for the et puis, PRS, cela permettra également d'ouvrir le service PRS to enjoy the automatic distribution of the keys. Avec une distribution automatique des clés. Et nous espérons ainsi que le PRS deviendra de plus en plus répandu. Mais nous n'allons pas être obligés d'attendre jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à cette étape de l'annonce des services, parce que dès le mois d'avril de l'an prochain, il y aura une étape importante. Cela sera l'entrée en vigueur de la régulation EECOL. C'est une date très importante parce que, à partir d'avril, tous les nouveaux modèles de voitures en Europe qui auront un système de navigation embarqué devront être compatibles avec Galileo. C'est très important parce que cela signifie que d'ici quelques années, 13 millions de nouveaux véhicules seront compatibles avec Galileo. Donc, comme vous pouvez imaginer, progressivement, ce chiffre va augmenter. Donc c'est vraiment une grande opportunité pour nous tous. Next year, very soon, we have heard that une nouvelle puce qui exploitera les deux fréquences. Et donc, dès l'année prochaine, nous allons avoir des téléphones portables qui utiliseront ces puces. Et c'est très important pour Galileo parce que cela signifie qu'il sera utilisé pleinement. Aujourd'hui, nous avons des satellites qui opère, il faut donc pouvoir nous en servir. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce que cela signifiait pour nous, ce lancement ce soir. Et puis, également, je voudrais souligner le travail accompli. Is addressing quite an important market. A market which is talking le marché to 7 est important, users. On parle de 7 milliards d'utilisateurs potentiels et 70 milliards de dollars en 2025. Il s'agit donc d'un potentiel absolument énorme. En fait, l'Europe est en train de construire la première infrastructure pan-européenne qui sera peuplée d'applications et de services qui amèneront une valeur économique très tangible et très réelle. Four more satellites for the Galileo constellation from the GSA perspective. Ces 4 satellites supplémentaires pour la GSA, c'est également un volume de travail énorme qui a été accompli et dont nous sommes fiers. And I was making a rough computation. En venant ici aujourd'hui, j'ai fait quelques calculs rapides. The only launch of the 4 satellites and the manufacturing of the rocket. Et je me suis rendu compte que la fabrication de ces satellites et leur lancement représentaient des milliers d'heures de travail. D'heures de travail de personnes extrêmement compétentes. Et je voulais donc remercier toutes les équipes qui ont contribué. Et en particulier le CNES pour ce CNES qui est
au premier rang pour les opérations de mise à poste et puis également la Commission européenne et l'ESA pour leur coopération et la confiance qu'ils ont témoigné à la GSA. Thank all the GSA team, et puis je remercie bien entendu toutes les équipes de la GSA qui ont travaillé dur pour arriver à ce jour. And un grand merci encore I une fois. Would like to recognize et puis and thank pour the terminer, hackers, entrepreneurs, je voudrais également remercier toutes les personnes, Galileo. Les entrepreneurs, les fabricants d'appareils et de puces qui ont adopté Galileo. Aujourd'hui, nous avons cinq des fabricants d'appareils et de puces qui sont des plus grands fabricants qui sont ici avec nous et qui ont déjà rendu leurs appareils compatibles avec Galileo. Donc, je les remercie d'être ici. Un lancement de satellite est un vraiment un moment qui nous inspire tous. En fait, le mot anglais lancement veut dire créer ou mettre en mouvement. Et aujourd'hui, l'Europe a mis en mouvement quatre catalyseurs supplémentaires pour l'emploi et l'innovation qui vont contribuer à des services pour les utilisateurs, des services qui sont fournis grâce au professionnalisme et à l'engagement de la GSA. Merci. Good. This is a good job done. Voilà quelque chose de bien, de fait. C'est toujours bien de pouvoir le dire. C'est fantastique. Je regrette de vous avoir fait attendre un peu. Vous savez qu'il y avait un petit souci avec les deux premiers satellites FOC. On pensait que tout allait bien, mais une demi-heure plus tard, on a appris que ce n'était pas le cas. Depuis lors, nous avons dit avec les collègues Gérin Espace qu'on allait toujours attendre de savoir que tous les satellites soient en bonne santé. Donc, on a eu déploiement des panneaux solaires, des quatre satellites, tout va bien, l'orbite est bonne. Donc, il a fallu attendre, certes, mais c'était mieux d'attendre que de devoir revenir pour dire que finalement, ça n'allait pas si bien que ça. Il s'agit d'une étape très importante que nous vivons aujourd'hui. Donc, vous voyez certains des collègues avec qui on travaille depuis très longtemps, depuis le temps, on se connaît très bien. Les équipes se font confiance entre Arianespace, le CNES, les autorités locales, l'Ariane Group, GSA, etc. Donc, cela nécessite énormément d'efforts de la part de beaucoup de personnes. La Commission joue toujours un rôle. Comme l'a dit Pierre, on a une combinaison de ces différents éléments, donc les secteurs publics et privés, et ça nous donne un merveilleux résultat. Donc, de mon côté, je souhaite remercier tout le monde. Je pense qu'on va tous boire un verre. J'en ai besoin, donc on se verra plus tard. So, first, I want to thank Je voudrais tout d'abord remercier Arianespace pour ce lancement absolument parfait. Je voudrais les remercier pour leur professionnalisme et pour avoir mis nos satellites sur la bonne orbite. Sur la base, bien entendu, mais aussi tout le travail à venir pour le LEOP. Je sais que c'est une épreuve. I want also to thank, of course, our customers. Je voudrais également remercier nos clients, la Commission, de leur confiance et de leur soutien. Également nos fournisseurs partout en Europe et en particulier notre partenaire SSTL. Für die harte Arbeit bedanken, diese vier Satelliten fertigzustellen. Each launch is a new endeavor. Chaque lancement est une nouvelle étape pour le lanceur, pour les satellites. Il n'y a pas de routine, même lorsque l'on a déjà lancé 14 satellites, plus les 4 d'aujourd'hui. Chaque fois, notre expérience croît.
Mais le succès n'est pas gagné d'avance. Nous sommes fiers en tant qu'OHB d'avoir mis en place un processus de production fiable, comme l'a dit Wolfgang hier. In such a clear presentation, by the dans way, une présentation extrêmement claire, ce qui faisait paraître tout le processus très facile. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas le cas, c'est extrêmement complexe. Et ce processus de production est un de nos points forts pour terminer cette constellation, pour que Galileo soit prêt à temps. Et nous remercions encore une fois nos clients pour leur confiance, la confiance qu'ils témoignent à OHB pour le troisième lot de satellites, 8 satellites, plus une option pour 4 qui a été confirmée il y a quelques semaines. Nous sommes également heureux que ce nouveau lot de satellites seront parmi les premiers lancés par Ariane 6. Également parce que nous contribuons fortement à ce nouveau lanceur grâce à notre filiale MT Aerospace pour le lanceur et également pour le pâtir que nous avons pu visiter aujourd'hui. Donc, longue vie à nos bébés, à nos 4 satellites. Merci. Chers collègues, chers amis, tous ceux qui me connaissent ici savent qu'en général, je parle très longuement. Eh bien, n'ayez pas peur, je ne vais pas le faire ce soir. Je voulais juste vous dire une chose. Au cours des dernières années, nous avons longuement débattu de l'espace, de la commercialisation des services, de la concurrence des États-Unis. Et au cours des dernières 27 heures, j'ai appris que nous avions notre propre méthode, la méthode européenne, et je pense que cette méthode est parfaite. Donc vraiment, je félicite ArianeSpace, je félicite l'ESA, je félicite le CNES, je félicite OHB, la Commission européenne. Félicitations à l'Europe, allons de l'avant. Je tiens également à remercier l'ensemble des acteurs qui, depuis 50 ans, se sont investis dans ce beau projet. C'est sans doute le projet européen qui, sur le plan de la recherche appliquée et industrielle, est le plus abouti. Et pourquoi ? Parce que les chercheurs qui se sont investis dans cette matière y ont cru. On suivait, bien entendu, les États-Unis et les Russes. Je pense qu'on va avoir bientôt une longueur d'avance dans la technologie qui a été développée. Et quand je voyais toutes ces équipes qui étaient là, qui prenaient une photo, derrière eux, il y a des milliers de chercheurs, il y a des milliers de personnes, il y en a parfois qui sont aujourd'hui retraités, qui n'ont pas eu le plaisir de partager cela, mais je suis certain qu'ils partagent aujourd'hui le plaisir d'avoir pu contribuer à ce beau projet. Alors, c'est une étape, bien entendu. Toutes les données qui vont être fournies, c'est de l'open data. Je pense qu'on va pouvoir appliquer, il y a 4 domaines dans lesquels on va le faire. Ça va d'abord être le grand public qui va mesurer ce qu'est Galileo et le grand public va pouvoir s'approprier les résultats grand public. Il y a bien entendu à côté de cela les développements commerciaux et dans des applications, on en a identifié plus de 300, des chercheurs en Belgique nous ont dit qu'il y avait plus de 300 applications possibles dans différents secteurs d'activité. Que ce soit la marine, etc., et à la fois avec des finalités économiques, mais aussi des finalités environnementales, industrielles et bien d'autres, et de poursuivre les recherches. Le troisième élément, c'est, et ça ne peut pas parler au grand public, c'est l'horloge universelle, toutes ces applications possibles dans le monde financier, on sait combien c'est important. On sait que la richesse de Rothschild s'est faite en partie pour avoir un système de communication beaucoup plus rapide que l'armée anglaise. À l'époque, on parlait en jours. Aujourd'hui, c'est en microsecondes, en millisecondes. Et la dernière application, bien entendu, c'est celle qui est attrait à la sécurité, aux données classifiées, les échanges entre les États qui sont importants parce que c'est un projet à la fois civil, mais aussi un projet en termes de sécurité.
Alors, en tant que ministre belge, je suis très, très heureux et ravi que la Belgique ait cru dès le départ à cet important projet. Mais c'est un projet européen. Je pense d'une Europe qui a difficile à trouver parfois sa voie, surtout politique. Mais ici, les politiques ont fait confiance dans quelque chose qui est finalement très peu visible, qui était très peu perceptible, mais qui aujourd'hui va se concrétiser. Et donc, je tiens à vous féliciter, vous tous, les équipes, les scientifiques, les universitaires, les jeunes et les moins jeunes, la Commission européenne, l'ESA et tous les acteurs industriels qui ont porté ce projet, qui ont fait de ce lancement un succès comme bien d'autres avant. Et ceci, ce n'est qu'une étape vers bien d'autres applications. Avant-dernier Conseil européen que nous avons eu à Francfort sur les voitures autonomes, on se rend bien compte que des applications telles que Galileo vont booster complètement le secteur. Aujourd'hui, on sait que les constructeurs sont prêts à partir de 2023-2024 avec des véhicules autonomes. Ce qui manque encore, c'est un système de guidage, non seulement celui du positionnement d'un véhicule par rapport à l'autre, mais la position du véhicule par rapport à des objets, des obstacles physiques et autres. Et Galileo va apporter, par exemple dans ce secteur-là, des développements très importants. Et donc, de vous encourager à poursuivre, d'aller vers Ariane 6 et d'autres développements. On sait que la digitalisation est à nos portes. L'intelligence artificielle est obligatoire dans le monde dans lequel nous allons arriver. Mais l'étape que vous franchissez maintenant par de tels investissements, de tels projets industriels, scientifiques et autres, sont indispensables pour ouvrir un monde orienté vers le développement durable, avec sa composante sociale, économique et bien entendu environnementale, auquel nous devons tous être attentifs, y contribuer et le préserver pour garder un environnement de qualité pour les générations futures. Et en cette fin d'année, eh bien, je ne sais pas si c'est une boule de Noël qui est partie dans le ciel ou quatre boules aujourd'hui. En tous les cas, je souhaite pour vous, vos proches, vos familles, vos entreprises, vos activités et tout ce que vous souhaitez, et tous les êtres chers qui vous entourent, les meilleurs vœux pour l'année prochaine et pour les années futures dans vos projets industriels. Merci. Bien, mesdames et messieurs, donc il me reste à vous donner rendez-vous le 25 janvier 2018. Nous aurons pour ce premier lancement Ariane 5 de l'année, la chance et le privilège de lancer deux grands opérateurs, SES, et ce sera le satellite SES-14, et Yasat avec le satellite Alia 3, donc ce sera un lancement très international. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël à toutes et à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà donc la fin de ce rendez-vous. La mission 7 FOC pour l'ESA est achevée. Les quatre satellites 19, 20, 21 et 22 sont bientôt au travail, d'ici 6 mois. Mais en tout cas, ils réagissent bien aux ordres et aux demandes du sol. Donc tout va très bien, vous l'avez entendu. Alexandre, merci. On a passé ensemble une grosse heure, on a su un petit peu plus sur Galileo. Un mot de ton point de vue à toi ? Non, un excellent moment passé avec toi. Je suis impressionné par toutes tes connaissances. Je ne sais pas qui était l'expert finalement. En tout cas, je te remercie maman pour ce moment. Et bah, à très bientôt. Merci à vous, on se retrouve sur le même canal bientôt.
3, 2, 1, top, allumage et décollage.